Salut, bon, nouveau petit chantier, regarde. Ça va être découtage du ciment qu'il y a ici. Après, il va y avoir du plâtre chaud. Alors tu vois ici, il y a tout un enduit ciment qui est en dessous là. Il y a une petite remontée capillaire ici, donc je vais devoir traiter l'humidité qu'il y a là. Et puis là-bas, tu vois, j'ai commencé à décrouter. Après, on va faire plâtre chaud. Ça va être tout magnifique, des petites arêtes. Bon, regarde, le client, il avait ça. Franchement, ça déboîte. Franchement, ça a envoyé. C'est bon. Tout mon bas est décrouté. Plus qu'à tout ramasser. Ouh. Oh, ça c'est le moins sympa, ça. Bon, la petite astuce du jour, regarde, on est sur des murs en terre. Ça a été badigeonné avec de la chaux, donc il y a une bonne petite croûte, hein, donc j'avais commencé à la hachette. Et puis là, j'ai fait non, vas-y. Donc en fait, je prends ma scie sabre, une grande lame. Et franchement, c'est assez efficace, hein. C'est assez efficace. Bon, j'ai fait ça, tu vois. Mais à la main, tu vois, j'ai commencé à la main, la petite hachette là. J'ai dit non, 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 non. J'ai trop à faire. Donc ça va bien, nickel. C'était l'astuce du jour. Allez, suite de la vidéo. Regarde, donc là je viens de faire un petit gopti, je viens de finir. Donc ici enduit terre, il y avait de la terre, donc j'ai tout gratté avec la scie sabre et la lame de scie. Hein. J'ai fait une petite story, enfin bref. Là j'ai fait un gopti, donc j'étais un chaud, à peine trois sables, deux et demi. Parce qu'on est sur des super supports tendres. Tu peux faire un chaud, deux sables, c'est pas mal. Et après, le corps d'enduit, c'est un chaud et trois sables. Voilà. Donc là, je vais faire. Il y en a qui me demandaient comment je vais faire en bas. Donc je vais faire un sable pouzzolane avec de la chaux. Et tu vois, ici, j'ai bien décaissé en dessous. Comme ça, je vais mettre mon plastique et ça va faire un arrêt d'humidité juste sur le bord de l'enduit là pour pas que l'humidité remonte dans mon mur. Voilà. Et puis après, la pouzzolane, normalement, ça évite qu'il y ait trop d'humidité qui revienne dans l'enduit. Donc regarde, là, c'est la chaux pouzzolane. Tu vois, j'avais de la pouzzolane comme ça chez moi et je fais avec. Pour les bas de mur, c'est pas mal. Donc là, je vais claquer la chaux contre le mur, tu vois, pour boucher tous les gros trous. Donc j'ai préparé ma chaux, j'ai ma petite taloche, hein, c'est ma taloche de quatrier. Et là, la truelle comme ça, on va mettre la chaux comme ça sur la truelle. Et là, clac!
Et après, je vais écraser. Attends, je regarde si je vois bien. Ouais. Et après, je vais écraser, tu vois, un petit peu. Voilà, je ne fais qu'une fois. Hein. Donc tu vois, le fait d'écraser, je comble les trous et je vois à peu près où c'est qu'il en manque. Et dans un deuxième temps, quand ça aura séché un petit peu, je vais gratter ici avec la lame de scie un peu comme ça, les bosses qui restent. Et ça, c'est que le lendemain ou le soir quand t'as fini. Voilà, bah je vais continuer. C'est raide, hein. C'est raide, raide. Bon allez, on continue la petite visite, la petite progression du chantier. Donc tu vois là, j'ai envoyé toute ma gamelle. J'avais ras-bord là, j'avais 4 sacs de plâtre et 5 seaux de chanvre. Donc voilà, donc là j'ai tout étalé. Ça va donner ça, tu vois, j'ai fait ça hier. Les petites paillettes de chanvre, le client voulait rustique. Donc tu vois, c'est pas mal. Donc c'est en cours de séchage, hein. C'est pour ça que ça fait des petits ronds comme ça et des petites traces. Donc là, j'ai tout étalé mon plâtre à la taloche. Maintenant, je vais attendre un tout petit peu que ça tire. Et puis après, je vais prendre mon couteau là. Alors d'abord celui-là pour bien planir. On va les grands traits là. Et puis après, je vais bien serrer avec celui-là. Chut, 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 chut. Et j'éponge avec ça. Ça va pas bien. Ça va bien, tu vois. J'essuie bien le mur. C'est nickel. Allez, petite vidéo de fin de journée, regarde. J'ai fait mon mur. Magnifique. Donc là, je suis en train d'attendre un tout petit peu. Parce que tu vois, c'est pas encore bien bien sec dans le bas de mon mur. Tu vois, ça fait des petites rayures. Et en fait, moi, je mets des coups d'éponge et je veux plus qu'il y ait de rayures. Je veux que ça soit lissé à l'éponge. Et en fait, la petite paillette de chanvre ressort. Mais là, bien sûr, en bas, hein, ça veut pas tirer. Donc voilà, donc j'ai tout fait, j'avais rempli ma gamelle, tu vois, 4 sacs de plâtre, et puis tu vois, ça, j'ai fait ça hier, c'est en train de sécher, c'est pour ça qu'il y a des différences de couleurs. Donc voilà, c'est tout beau, allez, à demain, je fais je bouche mon petit trou, je pose mes arêtes, je vais peut-être faire mon dégrossi sur le mur en parpaing là, je vais voir. Bon les amis, j'ai été faire un petit tour au sauna. Putain, quand tu fais du plâtre comme ça, j'éponge, truc de ouf. Alors, je me calme.
J'essaie de t'expliquer la dernière étape du plâtre que je fais. Donc, une fois que j'ai étalé mon plâtre, je le dresse avec mon grand couteau et je viens mettre un premier coup de taloche comme ça, éponge, pour bien boucher les trous. Et je mets un coup de parfait lisse comme ça, partout. Après, une fois que tous les trous sont bien bouchés, que le plâtre il est un peu tiré, je prends une éponge comme ça de carreleur, tu vois, avec une mousse très fine. Et en fait, je viens passer au moins 4 fois et je viens lisser mon plâtre, tu vois, pour faire ressortir les petites paillettes de chambre. C'est le fait de passer l'éponge comme ça qui fait que je vais essuyer mon plâtre et les paillettes de chambre vont ressortir. Et en fait, il faut passer cette éponge jusqu'à ce que le plâtre étiré, qu'il n'ait plus les petites rayures. Voilà, que ça soit tout lisse, tout lisse. Bon allez, je passe mon dernier coup d'éponge et normalement ça sera impeccable nettoyage et puis voilà, on verra le reste demain. Demain je pose des arêtes, je fais mes petits bords là et puis vendredi petit passage ici, donc je vais couper droit là et je vais faire un chaussable ici en bas. Allez, la bise, à demain, ciao. Donc là, j'ai habillé toutes mes... j'avais des espèces de supports en béton, là, en parpaing. Donc, j'ai posé une arête et puis j'ai fait du plâtre chaud partout. Comme ça, après, ici, ils vont rajouter des tablettes, ils vont mettre des caisses à vin. Voilà, donc ce mur-là, c'était un mur en parpaing. C'est OK. Ça, c'était le premier que j'avais fait. Et puis là, c'est le gros mur où c'était un peu humide. Donc, tu vois, j'ai coupé ici propre tout le long. Et j'ai fait un petit chaussable épongé en bas. Donc j'ai dit au client, je dis pour l'instant on va laisser comme ça. Et puis si jamais la couleur ça convient pas, ou s'il veut plus lisse, ou voilà, je pourrais refaire un petit coup de finition par-dessus. Voilà les amis. C'est tout beau, c'est magnifique. Après 15 jours de chantier, enfin pas tout à fait 15 jours, mais il y avait un peu de taf hein, pour attraper ce mur-là. Hein. Bon allez, à bientôt, gardez la pêche et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. La dernière info, bon, pourquoi j'ai fait un chaussable en dessous, c'est parce qu'ici il y avait une petite zone humide là, et c'est vrai que le plâtre chaud avec des paillettes de chanvre, il kiffe pas trop de rester baigné dans l'humidité là, ça peut moisir, voilà, surtout les paillettes de chanvre. Donc j'ai préféré faire un chaussable en bas, finalement ça donne pas trop mal, hein, tu vois. Voilà, c'était l'info, la dernière info. Allez, bon week-end à tous.